Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, nous avons acheté 300 titres Total Energy et quelques titres GTT. On va aller voir ça tout à l'heure, mais regardons un petit peu le tableau récapitulatif de nos valeurs sur le portefeuille Power Trade. Donc, Total Energy est une ligne qui a donc bougé, hein, puisque nous avons acheté des titres. GTT aussi, et donc nos espèces ont légèrement diminué par rapport aux achats que nous avons faits. Et j'oubliais de vous le dire aussi, nous avions acheté Ecopetrol vendredi soir, mais comme je vous avais fait une vidéo un petit peu en avance, je pense que je vous ai pas donné les prix d'achat d'Ecopétrole et le nombre de titres, donc on va aller aussi voir ça tout à l'heure. Alors, ce tableau récapitulatif des valeurs nous montre que ce portefeuille se porte bien puisque nous gagnons 26,92% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 201 262 euros d'engrangé, les amis. On a donc, pour l'instant, l'année n'est pas terminée, mais on a somme toute fait une très 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 bonne année. Le portefeuille temporaire, lui, n'a pas bougé d'un iota, hein, n'a rien acheté, rien vendu sur ce portefeuille. Voilà, c'est un portefeuille qui est en attente, puisque c'est un appartement que nous avions vendu le 27-11-2023, enfin date à laquelle nous avons reçu l'argent du notaire. Donc 200 000 euros ont été alloués à ce portefeuille et ces 200 000 euros iront rejoindre le portefeuille Power Trade dès le 1er janvier, les amis, puisque nous sommes en cours d'année. Hein, je voulais pas modifier le portefeuille d'une manière brusque. Car effectivement, tout le monde ne peut pas injecter, même en pourcentage, une pareille somme. Mais ce portefeuille temporaire, eh bien lui, il s'adjuge 0,90% depuis donc le 27-11-2023. Nous sommes toujours très peu investis sur ce portefeuille. On y va tranquillement. Preuve en est, c'est que nous avons 110 321 euros d'espèces, donc en termes d'allocation d'actifs sur ce portefeuille. Ce portefeuille s'adjuge quand même 0,90% depuis le 27-11-2023 et c'est 1802 donc, euros qui sont donc engrangés depuis même pas un mois, les amis. Et globalement, donc nous gagnons beaucoup plus que le loyer que nous percevions avec cet appartement qui était en location à l'époque où nous l'avions donc en portefeuille. Donc le portefeuille Power Trade du 1er janvier 2024, hein, il est déjà donc préparé, hein, puisque il tient en compte le portefeuille Power Trade et le portefeuille temporaire. Hein, quand on additionne les deux, on obtient ce portefeuille qui sera le futur portefeuille Power Trade, hein, à partir du 1er janvier. Et on voit que la ligne qui a bougé, hein, c'est d'abord et avant tout, c'est Total Energy, puisque nous avons d'ores et déjà 9 800 titres. Hein, je vais mettre ça en blanc, hein, comme à l'accoutumée, de façon à ce qu'on voit ce qui a bougé sur le portefeuille. Et puis on a aussi donc Ecopetrol, hein, qui avait légèrement bougé, puisqu'on avait acheté quelques actions Ecopetrol par là même vendredi dernier. Et puis nous avions aussi donc acheté du GTT, hein, et donc GTT, je vous le mets en blanc aussi. Et donc globalement, ce portefeuille, il a encore beaucoup d'espèces, hein, puisque nous sommes à 21% 0,01 en espèces, évidemment, puisqu'on accumule les deux portefeuilles. Et donc le total des espèces de ces deux portefeuilles, hein, représente quand même 239 000 0,68 euros, hein, c'est quand même une grosse part de notre portefeuille qui est donc en liquidité, prête à acheter les amis. Alors, les amis, comme vous le savez, sur Power Trade, hein, sur la chaîne Power Trade, on montre tout et qu'a-t-on acheté?
Donc, je vous le disais tout à l'heure, nous avons acheté 30 GTT, hein, Gas Transport Technology, et nous avons donc été exécutés à 121,70. On a aussi acheté 70 titres Total Energy, exécutés à 62,71. Alors ça, c'est sur le compte Crédit Agricole, hein, sur le compte de ma SCI. Sur un compte PEA, nous avons acheté 150 titres Total Energy, exécutés à 62,72 €. Et sur un autre compte titre PEA, nous avons acheté 80 autres Total Energy, ce qui porte à 80 titres qui ont été achetés à 62,73 €. Et la totalité de tous ces titres Total Energy achetés aujourd'hui se monte à 300 titres, ainsi que 30 titres GTT, comme je viens de vous le montrer précédemment. Regardons pour terminer le portefeuille débutant. On aurait pu commencer avec cela, mais voilà. Pour vous montrer ce portefeuille débutant qui se monte actuellement à 1967,83 €. Donc c'est un portefeuille qui était parti, je vous le rappelle, au début de l'année à 350 €. Ce portefeuille monte en puissance puisque nous touchons de plus en plus de YouTube AdSense, les primes de parrainage, on en a touché quelques-unes, et puis un petit peu d'argent aussi sur Moning. Donc c'est avec ça qu'on gagne de l'argent sur la chaîne PowerTrade. Encore une fois, on montre tout sur la chaîne PowerTrade. Et avec cet argent que nous gagnons grâce à vous tous et vous toutes, hein, les amis, grâce au YouTube AdSense, hein, grâce à Google, nous investissons sur des titres. Et actuellement, nous avons du Total Energy, du BNP et du Alibaba. Et nos espèces sont en train de grossir tranquillement. Dès que nous aurons suffisamment d'argent pour acheter un peu quelques titres, soit acheter des titres existants, soit tout simplement acheter d'autres titres, eh bien nous le ferons au moment opportun. Et à chaque fois, effectivement, je vous montre tout ce qu'on fait sur ce portefeuille. Et donc ce portefeuille a un but pédagogique, hein, c'est de vous montrer comment, avec un petit peu d'argent, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on arrive à épargner un peu d'argent. Ça peut être des économies qu'on fait ici ou là, hein. Nous, c'est des YouTube AdSense, des primes de parrainage, mais pour vous, ça peut être tout simplement des primes que vous avez au boulot ou tout simplement de l'argent que vous avez économisé par un quelconque moyen. En tout cas, ce portefeuille, depuis le début de l'année, eh bien, il a pris 462,24%, et c'est grâce en partie aux économies qu'on a faites, hein, à l'argent qu'on a gagné sur cette chaîne YouTube, que nos 350 € sont devenus 1967,83 €. En d'autres termes, nous avons gagné 1617,83 €. Et donc, c'est pareil, un portefeuille qui commence à avoir une certaine taille. N'attendez pas que ce portefeuille soit au zénith pour commencer à vous lancer à constituer votre propre portefeuille. Si vous souhaitez le faire, il y a des liens en description pour tous ceux qui souhaitent se lancer en bourse. Vous pourrez bénéficier d'une prime de parrainage, les amis, et c'est toujours bien, hein, quand on commence avec une petite prime de parrainage. Avec donc 1000 ou 2000 €, vous pouvez tout simplement recopier ce portefeuille ou vous en construire un autre différent avec tout ce qu'on vous apprend, hein, sur cette chaîne. Vous êtes tout à fait capable, au bout d'un certain moment, de voler de vos propres ailes. Alors, à présent, faisons un petit tour du côté de Moning, justement, pour voir un petit peu ma stratégie en dividende. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Moning, je vais un petit peu vous dégrossir un petit peu comment ça fonctionne. Et encore une fois, vous avez des liens en description qui vous permettent justement d'ouvrir un compte Moning. Alors moi, j'ai ouvert un compte Moning Pro pour mieux pouvoir vous montrer les choses, mais un compte Moning gratuit, hein, est amplement suffisant, hein, quand vous commencez en bourse avec un petit portefeuille. C'est pas la peine d'investir dans trop d'outils, si possible, on utilise d'abord et avant tout les outils gratuits qui vous permettront largement de vous constituer un portefeuille
Et puis ensuite, hein, quand vous aurez un gros portefeuille, eh bien, un petit peu d'investissement ici ou là pour mieux travailler, pourquoi pas, hein, puisque un bon travailleur a de bons outils, comme on dit, ou un mauvais travailleur a de mauvais outils aussi, mais les outils gratuits ne sont pas foncièrement mauvais. Les amis, il y a beaucoup de choses qui vous permettent de travailler avec des outils gratuits, notamment Moning le permet aussi. Alors, les amis, le portefeuille que vous avez sous les yeux, c'est les deux portefeuilles Power Trade et le portefeuille temporaire qui sont donc additionnés ici, là, sous vos yeux. Vous voyez que le rendement global de ce portefeuille, il n'a pas vraiment une réalité, hein, puisqu'en fait, on est beaucoup en cash actuellement. Donc, il faudra le revoir quand on sera un peu plus investi. Alors, ce portefeuille, pour l'instant, il est justement constitué de valeurs assez intéressantes, puisque nous avons Total Energy, La Coface, Ecopetrol, Petrobras, DNX Corp, Pernod Ricard, Kaufmann et Broad, DNOSA, Viel et compagnie, ainsi que GTT. Je vais m'arrêter là. Après, on peut descendre comme ça, mais après, les dividendes sont de plus en plus petits et donc c'est pas vraiment avec ça que notre stratégie dividende fait que nous pouvons avoir un revenu mensuel, un revenu trimestriel. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, hein, Moning, hein, vous créez un portefeuille, vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez avoir des portefeuilles virtuels, mais là, celui-ci est un portefeuille qui est donc un portefeuille qui est donc axé sur des titres que nous possédons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se fixer un objectif. Moi, je me suis fixé un objectif de 10 000 euros par mois, c'est-à-dire 120 000 euros par an. Et on voit que là, actuellement, cet objectif, il est rempli à 46,5%. Et que si on va regarder tout au fond, hein, tout à la fin, on voit qu'on a en cash, on a quand même 242 738 euros en cash. Et globalement, cette somme, hein, va nous permettre d'améliorer grandement justement ce ratio de 46,5%. Quand vous aurez constitué votre portefeuille, là on voit le portefeuille Power Trade, qui est le portefeuille Power Trade du 1er janvier 2024, hein, les amis. Que nous rapportera-t-il? Eh bien, actuellement, il nous rapporte 55 754 euros. Hein, c'est la somme de tous les dividendes annuels. Hein. On voit que Total Energy, ça nous rapporte 29 008 euros annuels. On parle en brut, hein, les amis. Hein. La COFA, ça nous rapporte 6 065 euros. Et Ecopetrol, 4 801 euros. Petrobras, 2 973 euros. DNX Corp, 1 492 euros. Et Pernod Ricard, 1 410 euros. Voilà, on peut descendre comme ça jusque dans le bas du tableau. Et ça vous permet de voir combien chaque action vous rapporte. Vous avez aussi un score de sûreté de dividendes et de croissance de dividendes. Donc vous voyez que par exemple, là, Total a un dividende de sûreté de 15, ce qui est beaucoup plus gros par exemple comme score que par exemple Ecopetrol, qui est donc beaucoup moins sûr, beaucoup moins stable hein, que Total Energy. C'est pourquoi d'ailleurs Total Energy est notre première ligne, car on croit beaucoup au pétrole, mais en termes de sûreté de dividendes et croissance de dividendes, Total est bien mieux noté que Ecopetrol notamment. Donc tout ça pour vous dire que quand vous constituez un portefeuille, eh bien tout ça c'est intéressant de pouvoir l'étudier et de pouvoir le visualiser. Et de pouvoir le visualiser, ça vous motive à continuer à investir, à injecter de l'argent de façon à faire grossir ce dividende tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les ans. Et si vous faites ça, au bout d'un moment, vous allez avoir un gros portefeuille et surtout de gros revenus. Moi, personnellement, je n'injecte plus rien hein, puisque je suis en retraite, donc je suis censé pouvoir vivre en complément de retraite avec ce dividende qui est plus de 3 fois plus que ce que les caisses de retraite veuillent bien me donner.
ce qui tente à prouver que vous devriez, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous constituer un patrimoine retraite axé en actions, pourquoi pas en immobilier, peu importe, mais en tout cas, investissez pour votre futur. Sur Moning, vous avez aussi donc un calendrier de dividendes. Quand vous cliquez sur ce calendrier de dividendes, vous pouvez voir tous les mois, hein, tous les mois de l'année prochaine. Hein, on a les derniers mois, hein, de 2023, mais vous pouvez voir qu'à partir de janvier, on a tel montant qui tombe, à février, tel montant, et puis ainsi de suite jusqu'au mois de novembre, décembre. Et cela vous permet de voir les mois où vous toucherez le moins, comme là chez PowerTrade, en février, mars, ainsi que août et septembre et novembre. Ce sont des mois où on touche peu, mais par contre, les autres mois sont des très grosses moissons de dividendes. On ne choisit pas forcément les dates de versement de ces dividendes de façon à avoir un revenu mensuel. Il vaut mieux avoir certains mois beaucoup plus, capitaliser et mettre un peu de côté et de vous reverser cet argent quand vous en avez besoin. Alors quand on regarde date par date, enfin mois par mois, vous apercevez que par exemple en janvier, eh bien quelles actions vont vous verser les dividendes, hein, quel dividende tombe pour chaque action. Et donc on voit que là qu'on aura Taiwan Semiconductor, Total Energy, Petrobras, Realty Income, ainsi que BNG Food. Donc c'est intéressant de voir quel titre verse des dividendes. Vous pouvez donc prévoir tout ça et c'est très intéressant de pouvoir vous dessiner des stratégies aussi, puisque pour ma part, hein, en général, je réinvestis la totalité de ces dividendes. Et aussi, une chose à dire aussi, très intéressant d'avoir des revenus trimestriels, mais aussi des revenus mensuels comme Realty Income qui verse son coupon tous les mois. Tous les mois, Realty Income vous paye un dividende, les amis. Quand on va donc en bas de ce tableau, on arrive donc à la fin de l'année. Maintenant, si on revient sur la projection des dividendes, vous pouvez aussi calculer, moi je ne vais pas le faire pour moi, mais là sur 40 ans, ce serait un petit peu illogique de ma part, puisque j'ai quand même bientôt 63 ans. Donc moi, je vais plutôt faire un calcul sur, par exemple, 10 ans. Au grand maximum. Et puis moi je vais pas faire de contribution mensuelle, je vais mettre zéro. Et puis en termes de réinvestissement des dividendes, supposons que je le réinvestisse pas ou que je le réinvestisse, on n'aura pas le même résultat. Maintenant, je mets à jour puisque je ne souhaite pas réinvestir et je vois que là en 2024 c'est 60 000 euros que je devrais, un peu plus de 60 000 euros que je devrais recevoir, alors qu'en 2023, ça sera 134 555 euros qui seront donc perçus annuellement. Donc on sera en fait très très loin des 10 000 euros par mois que je me suis fixé. Donc voilà, Moning, ça sert aussi à ça, les amis. Alors, ce qu'on peut regarder quand on retourne sur son portefeuille, c'est, vous voyez ici, la sûreté des dividendes. On voit qu'on a des dividendes qui sont sûrs à 82% et qu'on a des dividendes moyennement sûrs pour 13% et que des très risqués, on n'en a pas. Donc c'est très intéressant de voir aussi ça en graphique en nano. Vous avez aussi le potentiel de croissance. Donc on voit que 73% de notre portefeuille est axé sur des dividendes à croissance forte, et ça c'est intéressant, et ainsi de suite. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller en bas de tableau, et là vous avez la possibilité de voir les secteurs, et vous voyez qu'on est dans le secteur de l'énergie à 51%, donc on est très très investi dans le secteur de l'énergie, et que la finance, ça représente 5% et la consommation courante 5% et ainsi de suite. Donc c'est important de voir aussi comment votre portefeuille est dispatché. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est par pays. Vous pouvez voir que notre portefeuille est beaucoup investi en actions françaises, hein, à 60%.
On est aux États-Unis à 4%, et puis après, on est très peu investi hein, sur des valeurs comme certaines valeurs qui sont au Luxembourg ou voire Taïwan, comme Taïwan Semiconductor ou le Japon. Mais ça, c'est quelque chose qui va grossir en 2024. C'est certain que nous allons diminuer notre exposition à la France progressivement, puisque nous venons de clôturer un compte Fortuneo qui nous permettait d'investir sur les actions américaines, et ce compte était une SCI qui va verser au mois d'août un dividende assez important qui pourra aller sur le compte de Giro, et avec ces sommes, nous pourrons investir sur les marchés étrangers. Vous voyez qu'on a une stratégie qui est pas du court terme, hein. On n'est pas là fixé à se dire, voilà, on a clôturé un compte, il faut absolument acheter des valeurs étrangères. On a tout notre temps, il y a beaucoup de belles valeurs sur le marché français sur lequel nous pouvons gagner de l'argent, et la preuve en est, c'est qu'on gagne pas mal d'argent, les amis. Alors, comment on gagne de l'argent pour ceux qui nous découvrent? Eh bien, on fait une analyse macro hein, sur les valeurs qui nous intéressent. On se crée une watchlist et puis voilà, on investit progressivement sur ces sociétés. Donc, on sélectionne très peu de sociétés. Hein. Finalement, on n'a pas énormément de sociétés en portefeuille. Et surtout, vous l'avez vu, les 10 premières lignes hein, de notre tableau sont les valeurs sur lesquelles on est le plus investi en termes d'allocation d'actifs. Alors, les amis, on investit comment? On investit surtout d'abord et avant tout en regardant ensuite l'analyse graphique. Effectivement, on regarde une valeur, on se dit, voilà, elle verse un bon dividende, elle a des bonnes marges, elle a un bon potentiel, etc. Et tout ça, on le voit régulièrement dans les vidéos que je fais hein, sur PowerTrade. Mais ensuite, on n'investit pas forcément tout de suite, ou on n'investit pas forcément en une seule fois. On regarde les graphiques, et c'est la deuxième chose importante à PowerTrade. Avant d'investir, on essaye bien sûr de chercher les meilleurs moments, les meilleurs points d'achat, notamment sur les marchés futurs, puisque à PowerTrade, on travaille aussi sur les marchés futurs, sur le CAC 40. Notre système, il est toujours acheteur, et on est toujours dans ce trend haussier, hein, ce canal haussier hein, qui est en violet, et on a cassé ce trend jaune. Par contre, on est revenu se rappuyer dessus, ça, c'est pas si bon que ça. Il faudra attendre de voir demain comment se comportera le CAC 40. Va-t-on sortir du canal haussier? Et quand bien même on sortirait du canal haussier, tant que notre système algorithmique serait acheteur, eh bien nous resterons acheteurs, puisque le CAC 40, on le traite en mode futur, c'est-à-dire qu'avec nos algorithmes, c'est acheteur, on achète, c'est vendeur, on vend. Sur le DAX, on a la même configuration acheteuse, on est toujours acheteur sur le DAX. Pour ceux qui font des futurs, je vous donne les points tous les matins de par un short, hein. Vous avez un short à 8h du matin précis, donc dès l'ouverture des marchés futurs, puisque les futurs, ils ouvrent à 8h du matin, les amis, et ensuite, effectivement, à 9h, eh bien, si les points que je vous ai donnés sont touchés, eh bien, on tourne notre position, donc on coupe notre position en cours pour reprendre une position inverse. C'est-à-dire que si nous sommes acheteurs là actuellement, si les points que je vous donnerai demain matin étaient touchés, ben nous passerions vendeurs. Mais ce n'est pas le cas, les amis. Pour l'instant, le S&P 500, il a l'air de tirer vers le haut, donc lui, il est toujours acheteur. Le Brent, quant à lui, le Brent, eh bien, il est toujours acheteur malgré la baisse que nous observons aujourd'hui. Ce qui nous amène à regarder un petit peu l'action Total Énergie. Je vais un peu déplacer ça sur la gauche. Vous voyez que nous avons fait des achats encore aujourd'hui à une moyenne de 62,72 €, et nous avons fait feu de tout bois sur cette action dernièrement. Nous avons repris notre position qui avait été vendue à 63 euros, c'était à 62,98 € exactement en moyenne. On avait sorti la moitié de notre position, et là nous l'avons plus que repris, avec même les actions gratuites que nous avons ramassées de par justement
un rachat à bon compte puisque nous achetons moins cher que nous avions donc vendu précédemment. Et donc voilà, notre position actuelle est bien plus importante que quand nous avions allégé sur ce titre. Et vous voyez que pourquoi je reviens en force sur ce titre, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse. Le Brent, il est toujours acheteur, ceci dit. Autre chose, c'est que nous rachetons moins cher que nous avions allégé. Et puis, vous voyez bien qu'on a là une courbe qui s'inverse. Hein. On voit bien que les cours, ils ont tendance à monter et à suivre ce trend violet. Donc voilà, nous reprenons notre position initiale et même un peu plus, alors que le dividende va bientôt être versé, les amis. Rappelez-vous, on est dans une stratégie dividende d'abord et avant tout sur PowerTrade. C'est ce qu'on privilégie. Ça nous empêche pas d'acheter des actions de croissance. Loin s'en faut. Hein, on est sur les deux tableaux, les amis. On n'est pas sur des polémiques à se dire voilà, non, moi je ne fais pas de graphique, je ne fais que du fondamental. Ou on n'est pas à se dire je fais que du fondamental, je ne fais pas de graphique. On fait les deux, les amis. On n'est pas non plus à se dire on fait que des valeurs de croissance, on fait pas de valeurs à dividende. Eh bien, non, on fait les deux, les amis. C'est pas aussi compliqué que ça, que de se dire nous notre problème c'est pas les dividendes ou c'est pas la croissance. Le dividende c'est d'abord et avant tout d'acheter des sociétés de qualité. Alors vous voyez que Total Energy a beaucoup monté aujourd'hui, mais elle est retournée un petit peu avec des prises de bénéfices, mais ceci dit, elle reste quand même dans le vert hein, puisqu'elle s'adjuge 0,27%. L'Oréal, hein, rappelez-vous, on était sorti hein, de L'Oréal à 453,45. Donc voilà, on n'a pas repris notre position dessus. On attendra qu'il y ait d'abord un signal de vente sur ce titre et puis un signal d'achat, car je la juge un peu chère pour la replacer en portefeuille au prix actuel. Rappelez-vous, on était sorti quasiment au plus haut hein, de cette journée-là. On a fait un plus haut après, mais voilà, ça, il a été que très rapide et très temporaire. Pour l'instant, le titre, il a tendance à latéraliser. Pernod Ricard, à présent, est une valeur que nous avions allégée, hein, puisque quand on regarde ici, on l'avait acheté à 166,85, on avait allégé ici sur les 168 et quelques une partie de nos titres. Et puis, on a fait un deuxième achat ici. Voilà, pour l'instant, on ne fait rien de plus, hein, puisque voilà, on est à peu près dans les mêmes prix. On va pas s'exposer plus que ça sur ce titre. On est déjà beaucoup, beaucoup exposé sur ce titre. On a acheté aussi aujourd'hui du GTT, donc je ne l'ai pas encore noté, je vais le noter tout à l'heure. Donc on a acheté par 3 fois GTT. Pourquoi? Parce que voilà, normalement, demain, la moyenne 2 jours, 12 jours devrait croiser. Puis de toute façon, c'est un titre qui verse un gros dividende. Rappelez-vous, on cherche une stratégie dividende. Et donc à ces prix-là, GTT, ça nous verse à peu près 5% de dividende annuel. Eh bien, c'est pas dégueulasse. On prend. Et puis si elle baissait d'une manière beaucoup plus forte, hein, si on avait un signal de vente et puis qu'on la retrouverait beaucoup plus bas, il serait toujours temps de revenir dessus. Voilà les amis, on a fait à peu près le tour des valeurs que nous avons en portefeuille qui ont pas mal bougé aujourd'hui. On va regarder un petit peu Retincom. Rappelez-vous, on avait acheté à 55,42, 56,09 et on avait dû vendre quelques titres hein, pour la clôture de notre compte hein, sur Fortuneo, malheureusement. Mais les titres que nous avons encore en portefeuille, eh bien, eux se portent très très bien puisque le titre continue à monter. On a Coca-Cola aussi sur les valeurs américaines. Nous avions dû alléger hein, sur ce titre hein, suite à la clôture toujours du compte Fortuneo puisque Fortuneo ne veut plus de société dans ses livres. Et eh bien voilà, nous avons vendu nos titres aussi Coca-Cola à 58,86. Et donc là, par contre, on a bien vendu puisque on est encore en deçà de notre prix de vente. Mais voilà, je pense que ça va pas durer longtemps. Tout ça, il est bien possible que Coca-Cola reparte de l'avant.
Alors, quoi vous dire, nous avions acheté du Sopra Steria aussi, qui se porte bien en diversification, donc on conservera. On avait acheté aussi du Engie. Voilà, on est bien. On est bien aussi sur Engie en diversification, gros dividende aussi sur Engie. Donc voilà un petit peu pourquoi nous sommes bien embarqués. Rappelez-vous, je vous avais dit que si moi j'avais eu un peu plus de liquidité sur un compte comme DEGIRO, eh bien, mais on n'en a pas suffisamment vu qu'on fait des futurs sur DEGIRO à présent. Eh bien, les amis, on voit que Tesla, on voit que Tesla se comporte bien. Je vous avais dit hein, que moi, j'en aurais bien acheté vu qu'on a cassé ce trend. Hein, vous voyez ce trend blanc, la moyenne de jour, 12 jours est acheteuse. Donc voilà, je vous avais donné ce signal que je n'ai pas pu moi faire, mais il sera toujours temps un jour ou l'autre de revenir dessus. On va terminer, les amis, sur deux valeurs que nous avons aussi en portefeuille. C'est Alibaba, hein, le groupe Alibaba. Vous voyez qu'on a eu hein, une très très forte baisse hein, depuis le mois d'août 2023. Hein, ce titre n'a fait que baisser et nous avons acheté, je pense, à bon compte. Hein. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on n'attendait même pas un signal. Nous avions acheté à 72,02 €. Aujourd'hui, nous sommes à 75,72. Je pense, hein, je pense que c'est un titre qui vaut beaucoup plus. Alors là, quand on a acheté, on n'était pas dans l'analyse graphique, les moyennes mobiles et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit que, eh bien, on a devancé un signal qui m'a l'air bon, hein, puisque depuis que cette moyenne 2 jours, 12 jours a croisé, eh bien, ce titre ne fait que monter. Quelque chose d'intéressant, c'est Viel et compagnie. Hein, les amis, c'est un titre que nous avions acheté ici hein, sur un croisement de moyenne mobile ici. Hein, si mes souvenirs sont bons, oui, on avait acheté par là. Et puis ensuite, bah, ça s'était mal passé pour nous. Et puis voilà, on est sorti du triangle. Hein, on était sorti quelques temps hein, de ce triangle. Hein, vous voyez, ce point ici et ce point-là sont des points très très forts. Ainsi que ce point-là. Donc on avait un triangle, on était sorti par le bas, nous avions conservé notre position et nous avions bien fait pour le rendement, hein, les amis, puisque cette valeur nous offre un bon rendement. C'est pareil, j'ai été tenté aujourd'hui de conforter notre position, car sortie de triangle, normalement, eh bien, c'est très acheteur, voilà, mais donc on va pas racheter cette valeur quasiment au même prix que nous l'avions acheté, surtout qu'il peut y avoir un pullback hein, avant de repartir, elle pourrait revenir toucher ce trend violet. Donc on s'abstient, hein, vous voyez, on est assez prudent hein, sur Power Trade, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Voilà les amis, je pense vous avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire hein, sur les valeurs que nous avons en portefeuille. Hein. Je ne vous les ai pas toutes détaillées, hein, parce que certaines n'avaient rien de spécial à ajouter hein, sur ce qui a été ajouté ces dernières semaines. Maintenant, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!